Eh bien, salut tout le monde, c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien. Donc oui, petit nouveau studio, etc. Nouvel un petit peu environnement, ça fait vraiment plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Moi, je te laisse avec le générique. À tout de suite. Bon les refs, on se retrouve pour la vidéo, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc c'est très simple. Comment créer son compte lobby de A à Z en 2023, donc ça fait vraiment plaisir, avec l'aide de CWizard et sans CWizard, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, les étapes se seront en description, donc tous ceux qui veulent tout simplement faire par étapes, n'hésitez pas à suivre la vidéo complètement. Donc voilà, première étape, on va passer du coup, c'est très simple, à faire le prologue. C'est très important quand vous créez un nouveau compte, ça évitera déjà de 1 de relancer le prologue quand vous allez du coup pouvoir aller sur votre compte en online, et aussi pour CWizard et sans CWizard. Quand vous arrivez comme moi sur la vidéo ici, vous allez faire ouvrir votre petit téléphone, vous avez fini le prologue et vous allez faire une petite sauvegarde rapide. C'est très important, ça évitera de se retaper le prologue à chaque fois que vous relancez le jeu. Donc ensuite du coup, pour passer à la deuxième étape, c'est très simple, on va directement aller en ligne, vous allez créer votre personnage. Donc voilà, ça sera la deuxième étape. Donc là, comme vous n'avez jamais créé de personnage ni rien sur le jeu, c'est un nouveau compte, vous allez devoir valider les petits messages d'alerte qu'ils vous proposent au début du jeu. Donc voilà, on arrive ici, donc ça sera la deuxième étape, création de personnage. Alors là, pour ma part, j'ai créé un personnage féminin. Donc vous pouvez tout simplement créer un personnage masculin ou féminin, peu importe. Donc ça, c'est à votre guise, à vos goûts. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Pour ma part, moi, c'était un féminin, donc n'hésitez pas à faire de même si vous aimez bien les persos féminins. Donc voilà. Donc voilà, quand votre personnage est créé, c'est très simple, vous allez atterrir en ligne comme moi sur la vidéo. Donc voilà, on attend le petit accès à GTA Online. Donc voilà, ça va mettre un petit message d'alerte si vous voulez passer l'intro de GTA Online. C'est très important de la passer parce que c'est hyper long et c'est pas bénéfique, c'est plus une perte de temps. Donc voilà, accès à GTA Online, on va arriver directement ici comme moi sur la vidéo, sur la map. Donc ensuite, troisième étape, les refs, on va devoir faire les compétences. Les compétences, alors vous pouvez les faire en solo comme en duo. Donc dans tous les cas, vous serez besoin d'être en duo à un moment donné, parce que du coup, vous aurez les activités, la vidéo dédiée en description. Sauf qu'il y aura les activités en plus pour tout simplement le pilotage et la conduite que vous pouvez faire vraiment en totalement 20 minutes à tout péter les deux compétences. Grâce à une activité qui est vraiment surcheatée, vous pouvez le faire en solo ou en duo, peu importe. Donc voilà. Ensuite, vous aurez la force. La force, c'est pareil. La force, vous serez obligé d'être deux, du coup, pour lancer l'activité, du coup, pour taper les PNJ. Bref, ça, c'est pas compliqué. Vous aurez la vidéo aussi en description avec les activités, etc. Franchement, en fonction des étapes. Aussi, vous avez le tir, vous serez automatiquement obligé des deux, parce que justement, il faudra faire la fameuse technique dans le magasin. Donc voilà, franchement, c'est pas compliqué. Ensuite, voilà. Bref, ensuite, du coup, ce que vous allez avoir forcément la discrétion. La discrétion, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous pouvez le faire en AFK. Donc dans tous les cas, il y aura la vidéo. Puis aussi, vous ferez l'endurance. L'endurance, malheureusement, vous serez obligé de la faire manuellement, parce que forcément, il n'y a pas d'activité, malheureusement. Donc quatrième étape, moi je vous invite les refs à faire 5 Bogdan, c'est très important parce que justement ça évitera de faire comme l'ancienne vidéo que je vous avais présentée avec les cartes à jouer, etc. C'est vraiment très très chiant et très long. Donc je vous conseille de faire 5 Bogdan. Quand cela est fait, du coup forcément il est beaucoup plus rentable que le caillou malheureusement maintenant parce que le caillou il a été patché. Donc voilà, vous gagnez 1 500 000 à chaque Bogdan, donc ça va très très vite pour faire les 5 millions. Ensuite, prochaine étape, donc la cinquième étape, faudra faire les levels. Alors malheureusement, il n'y a pas d'activité ou de semi-freeze, ou peu importe, pour les levels, faudra automatiquement les faire avec l'arène. Donc voilà, il n'y a plus d'AFK, il n'y a plus rien, malheureusement, c'est qu'avec l'arène. Donc voilà, il y a une vidéo aussi en description qui va tout vous décrire comment faire exactement l'activité d'arène. Donc voilà, ça c'est l'une des mes étapes que je fais, donc vous faites le level 120 largement, en très peu de temps, et il faudra malheureusement être 2. Donc voilà, je précise bien qu'il y a un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre en description si vous voulez trouver des personnes. Ensuite, on va passer à la prochaine étape, donc la sixième. Donc c'est très simple, quand vous avez fait vos Bogdan et les levels, c'est très simple. On va pouvoir du coup faire la première fois une semi-freeze. Donc on va pouvoir acheter une Deluxo et la revendre pour acheter l'arène. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter l'arène ensemble. Donc voilà, directement, bim, on achète l'arène, on va pouvoir faire la cinématique très très chiante. Donc au début, sinon vous ne pourrez pas faire le semi-freeze dans l'arène. Donc voilà, vous arrivez directement dans l'arène, vous allez pouvoir faire l'active, du coup la fameuse cinématique.
Donc voilà, quand vous avez fait la cinématique, donc on va passer à la septième étape. La septième, du coup, on va pouvoir commencer semi-freeze. Vous faites une petite sauvegarde rapide. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir votre téléphone, vous allez ouvrir simplement l'internet et du coup, on va faire directement à commencer à acheter les Deluxo. Donc voilà, rien de compliqué, hop, vous achetez les Deluxo. De toute façon, les vidéos semi-freeze sans Cvisard et avec Cvisard se trouveront en description. Pour ma part, moi, c'était avec Cvisard, vous faites un décoroco et directement, vous allez pouvoir attirer du coup en mode histoire. Vous allez faire start en ligne, vous allez retourner du coup en mode online, etc. etc. Bref, franchement, ça reste la même manipulation. Vous allez pouvoir faire semi-freeze dans tous vos garages. Donc, je vous incite du coup d'abord d'acheter dans l'arène, de vendre jusqu'à à peu près 70 millions, voire 77 millions grand max. Et du coup, ensuite, vous pourrez acheter le PDG, ensuite la boîte de nuit, etc. etc. Bref, à la chaîne, ça reste la même manipulation à répéter. Donc voilà, de toute façon, la vidéo semi-freeze sans Cbizarre et avec Cbizarre se trouvera en description. Donc voilà, comme ça, au moins, vous avez la vidéo. Sauf que la vidéo semi-freeze sans Cbizarre, ce ne sera pas moi qui l'aura présentée. Ce sera un collègue YouTuber qui l'avait déjà présenté sur sa chaîne à lui. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va passer du coup à la prochaine étape. Donc, l'une des entre guillemets prochaines étapes, c'est que du coup, on va continuer l'étape numéro 7. Donc, forcément, l'étape numéro 7, c'est le semi-freeze. Là, vous répétez la manipulation en achetant dans les garages, en vendant, etc. Ça n'a rien de compliqué. De toute façon, il y a les vidéos avec les étapes dédiées en description. Dans tous les cas, explicatives, etc. bien détaillées. Donc, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous aider dans tous les cas. Donc, voilà. On va passer à la huitième étape, donc c'est très simple. Quand vous avez fini le semi-freeze, donc c'est très simple, vous avez tout sauvegardé, etc. Vous allez pouvoir acheter toutes les armes du jeu. Donc voilà, parce que je le fais bien en dernier, justement, parce que ça évite justement de gaspiller de l'argent pour rien. Donc moi, j'ai acheté toutes les armes, etc. Aussi, vous avez le gun van, vous pourrez récupérer le raygun, etc. Donc n'hésitez pas à acheter toutes les armes. Ensuite, neuvième étape, les refs. Donc c'est très simple, vous allez pouvoir faire vos tenues. Donc là, j'avais sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps pour les tenues codage sur les féminins. Donc voilà, je vous ai mis vraiment vite fait les tenues en question vraiment qui pop à chaque fois. Donc j'ai vraiment fait des petites coupures comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les tenues. Donc malheureusement, les tenues, vous pouvez les faire soit en codage, soit en bif, parce que l'importation Cvisard n'a été patchée. Donc voilà, ceux qui ont l'opportunité de faire du bif, n'hésitez pas à en faire. Sinon, vous resterez avec le codage malheureusement. Donc voilà. Donc du coup, on va respawn en ligne, je vais bien vous montrer que j'ai bien toutes les tenues du coup sur le compte lobby en question. Donc on a tous les joggers avec etc, les tenues trônes, etc. Donc on va passer à la prochaine étape. Du coup les gars, prochaine étape et la toute dernière, donc là l'étape numéro 10. Donc c'est le récapitulatif du compte en question. Donc là franchement le compte est terminé, donc au final c'était un petit peu rapide. Mais au final, franchement, c'est vraiment les étapes cruciales pour faire un compte lobby de A à Z. Donc voilà, déjà, du coup, vous avez bien vu que j'étais level 120. Du coup, là, j'ai les stats au max. J'ai le ratio aussi, que j'ai fait 20 de ratio. Donc, je ne l'ai pas présenté dans la vidéo parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je suis level 120, j'avais 61 millions en banque avec tous les garages remplis de Deluxo. Les 24 garages en tout, mais j'en ai pas fait deux parce qu'au final, il fallait faire les cinématiques et les missions. Donc, en vérité, il y a 22 garages. Donc, je vais appeler le mécano, je vais bien vous montrer directement. Donc là, il y a tous les garages remplis du jeu. Avec rempli de Deluxo. Donc voilà, de MK2, de Deluxo, vraiment à revendre. Donc il y a à peu près 1 milliard à la revente, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à faire justement un compte lobby vous-même. Si vous avez Cvisard ou sans Cvisard, c'est faisable, mais c'est juste que c'est un peu plus long sans Cvisard, vu que c'est pas la même manipulation pour le semi-freeze. Mais sinon, à la base, ça reste exactement la même chose, du coup, à chaque fois. Donc voilà, franchement, en tout cas, c'est pas compliqué. Regardez bien que j'ai bien tout simplement tous les garages remplis de Deluxo, avec 61 millions en banque, tous les bâtiments du jeu. Bref, franchement, c'est vraiment complètement abusé. Franchement, un lobby comme ça, je le fais à peu près en une journée et demie. Le plus long, c'est les levels. Ça reste les levels parce qu'il n'y a pas vraiment de manipulation. Je vais bien vous montrer quand on va arriver dans les garages. Pareil, dans les garages, c'est rempli de Deluxo. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, c'est justement c'est l'argent qui va vous permettre, du coup, à la revente. Donc là, déjà, rien qu'un garage, un seul garage de 10 places, ça vaut 28 millions. Donc vous faites le total, etc., avec les garages à la file. Donc voilà, on va directement monter dans l'appartement. Je vais bien vous montrer que j'ai bien toutes les tenues déjà modifiées, etc. Parce que entre eux, vous avez bien vu juste avant l'étape donc numéro 9, vous avez vu vraiment les tenues vite fait. Là, elles sont complètement terminées les tenues. Donc voilà, comme ça, en même temps, vous voyez un petit peu ce que ça donne, etc. Un compte complètement fini que moi je propose aussi sur mon Instagram, que je fais moi-même, au moins comme ça vous voyez par vous-même. Donc voilà, dans tous les cas, moi je l'ai fait en live, n'hésitez pas à venir aussi quand je l'ai fait. Donc tous ceux qui sont intéressés par des comptes lobby, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je le rappelle. Donc voilà, hop, on va directement dans les tenues. Donc il y a à peu près 10 tenues modées en tout, avec tous les joggers, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a le jogger noir, le jogger blanc, on a le beige. Ensuite, directement, on a le gris. Donc après, on a le bleu.
Donc franchement, c'est des tenues vraiment sympas et franchement, c'est assez cool. Donc là, après, on a le rouge, on a le rose, on a le violet. Malheureusement, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on aurait les casques de couleur. Après, on a le orange et le vert. Donc j'aurais bien aimé avoir les casques de couleur et les pare-balles de couleur. Malheureusement, on n'a pas pu les avoir vu qu'il n'y a plus d'activité pour les obtenir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu les refs. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, sur ce les gars, c'était Necro. Ciao tout le monde, puis à la prochaine.